On est à CY Cergy Paris Université et à l'IUT précisément sur le site de Sarcelles. C'est l'enregistrement de Demain la com. Les étudiants sont là, je vous montre les coulisses. On a Antoine, voilà Antoine, coucou Antoine. Et coucou. Qui est là, qui est au cadre avec Hugo. Salut Hugo, coucou Hugo. Voilà, et Dominique qui est à la réalisation, voilà, le technicien vidéo de... Oh là, ça tourne là, de l'université. Voilà, et donc on est avec nos étudiantes et étudiants chargés de communication. Et on a envie de vous demander un petit peu, voilà, qu'est-ce que vous nous préparez? C'est quoi l'émission? On va parler de quoi? Emmanuel, alors on parle de quoi? On parle de réalité virtuelle? Et précisément, ta chronique, c'est sur quoi? Alors moi, ma chronique, c'est la réalité virtuelle dans l'événementiel. Ah, c'est bien ça, intéressant. Bon, Rachel Rose, de quoi on parle? Eh bien, on va parler de réalité virtuelle dans le milieu culturel, donc tout ce qui est musée et entreprise ludique, voilà. Et ça change quoi pour les musées? Ça permet d'offrir une expérience client différente et d'amener un petit coup de peps aux visites des musées. Très bien, allez, on va retrouver Océane tout de suite. Oui, bonjour. Océane, bonjour. Alors, Océane. Ça tourne. Ça tourne la tête. Alors, et toi, tu nous parles de quoi alors? Alors, moi, je vous parle du marketing, donc avec tout ce qui est sneakers, magasins et encore cosmétiques. Puisque maintenant, il est désormais de pouvoir tester tout ça grâce à des filtres ou encore des miroirs virtuels et la réalité augmentée. Donc, tu nous dis qu'on va faire du shopping depuis chez soi. Exactement, c'est super intéressant. Bon, alors, et l'autre fille, alors lui, il nous projette dans le futur. On va parler de métaverse. Oui, je parle de la communication de demain qui sera le métaverse. Enfin, du moins, on pense. Je parle des marques un peu qui y ont adhéré et aussi de l'éventuelle opportunité que ça pourrait être pour les marques. Bon, ils sont bien chauds, on va enregistrer, je pense que ça va être une très bonne émission. Allez, ciao.